Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue en cette journée d'Assemblée publique d'adoption des recommandations de la Commission des finances et de l'administration. Je veux en profiter également pour saluer mes collègues qui se sont joints à moi, que nous allons présenter dans quelques instants. Alors, aujourd'hui, la Commission des finances et de l'administration clôture ses travaux sur l'étude publique du budget 2021 et du PDI 2021-2030 de la Ville de Montréal, comme vous le savez. Nous avons étudié en séance publique ces dernières semaines les budgets des différents services et organismes de la Ville de Montréal. Puis, nous avons tenu des séances de travail toute la semaine dernière pour convenir de recommandations que nous souhaitions formuler à l'intention de l'administration au terme de cette étude. Nous sommes donc réunis aujourd'hui virtuellement pour vous présenter et pour adopter ces recommandations dans le respect des consignes gouvernementales en vigueur en contexte de pandémie. Permettez-moi, avant toute chose, de présenter les membres de la commission qui ont fait un travail formidable et qui m'ont accompagné tout au long de cette étude qui a été extrêmement prenante, mais extrêmement riche également. En commençant par notre vice-président, un de nos deux vice-présidents. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous et à toutes. Georges Bourelle, maire de Beaconsfield. Bonjour tout le monde. Alan D'Souza, maire de Saint-Laurent. Bonjour tout le monde. Alex Botachi, maire de Dollard-des-Ormeaux. Bonjour tout le monde. Lisa Christensen, conseillère d'arrondissement de Rivière-de-Prairie-Pointe-aux-Trembles pour le district de la Pointe-aux-Prairies. Bonjour à tous, Richard Gay, conseiller de ville pour l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, district de la Pointe-aux-Prairies. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Marie-André Maugé. Je suis conseillère d'arrondissement dans le district de Desmarchais-Crawford à Verdun. Bon après-midi à tous et à toutes. Mon nom est Sophie Moserolle. Je suis conseillère de ville dans le district de Sainte-Marie, dans l'arrondissement Ville-Marie. À mon tour de vous souhaiter un bon après-midi à toutes et à tous. Philippe Tomlinson, maire de l'arrondissement d'Outremont. Bon après-midi tout le monde. Alain Vaillancourt, conseiller d'arrondissement, Vélémard-Côte-Saint-Paul et Saint-Henri-Ouest et maire suppléant du Sud-Ouest. Bienvenue à tout le monde. Monsieur le Président, votre micro. M'excuse. Alors, nous excusons M. Pierre Lessablais, qui est maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, et Mme Marie-Claude, qui est conseillère d'arrondissement de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, qui ont tout au long de notre commission apporté une contribution extrêmement positive, mais qui ne pouvait être avec nous cet après-midi pour l'adoption. Nous allons maintenant procéder à l'adoption de l'ordre du jour de cette Assemblée. Celle-ci se déroulera comme suit. Tout d'abord, je ferai la lecture de l'ensemble des recommandations que nous présentons à l'administration. Depuis 9 heures ce matin, le projet des recommandations est disponible sur la page web dédiée à la consultation à l'adresse ville.montréal.qc.ca, étude budget en un mot 2021. Vous pouvez donc vous y référer si vous le souhaitez. Je soumettrai ensuite ces recommandations aux membres de la commission pour adoption. Une période de questions et de commentaires du public est ensuite prévue. Étant donné le format particulier de cette assemblée, un formulaire était disponible à partir de 9 heures ce matin sur la même page web, pour les personnes intéressées à soumettre une question ou un commentaire. Nous lirons donc à ce moment les questions et commentaires reçus et nous y répondrons. Finalement, les membres de la commission pourront également prendre la parole s'ils le désirent. Ils auront environ 5 minutes chacun si jamais ils veulent formuler des remarques, des commentaires ou des éléments reliés au rapport de la commission ou à leur rapport minoritaire qui leur est propre. Je demande donc un proposeur et un appuyeur pour appuyer l'ordre du jour ainsi proposé. Je propose et j'appuie, Monsieur le Président. Alors, nos deux vice-présidents, M. De Souza, propose, M. Bourelle appuie.
Nous allons maintenant adopter les procès-verbaux des assemblées publiques du 19 juin 2019 et du 10 décembre 2019. Avant d'aller plus loin, nous devons donc procéder à l'adoption de ces procès-verbaux de ces deux assemblées publiques tenues par la Commission en 2019. C'est dans nos procédures. Je demande donc également un proposeur et un appuyeur pour adopter ces deux procès-verbaux. Toutefois, seules les personnes qui étaient là, qui étaient présentes, peuvent faire cette proposition-là ou cet appui. Alors, les commissaires qui étaient là, je les nomme. M. Bourrel, M. De Souza, Mme Christensen, Mme Mauger et moi-même. Je propose. Alors, Mme Christensen propose. Quelqu'un qui appuie? Je l'appuie, Marie-Andrée Mauger. Mme Mauger appuie. Merci beaucoup. Alors, je vais maintenant procéder à la lecture des 39 recommandations que la Commission dépose à l'administration et nous pourrons ensuite procéder au vote et à leur adoption. Pour le bien de tout le monde ou pour le bien public et pour la transparence, les recommandations vont être portées à l'écran par notre secrétaire recherchiste, Mme Laforce, et nous y allons de ce pas. Alors, si vous voulez dérouler, Mme Laforce, s'il vous plaît. Alors, à l'issue de l'étude publique du budget 2021 du PDI 2021-2030, la Commission sur les finances et l'administration tient à remercier les services municipaux, les organismes et les sociétés paramunicipales pour leur collaboration, particulièrement essentielle à la réalisation de cette étude en mode virtuel cette année. La Commission salue également la qualité de la participation des citoyennes et citoyens qui ont pris le temps de lui transmettre leurs questions, leurs commentaires ou leurs mémoires. La Commission formule donc les recommandations suivantes au Conseil municipal et au Conseil d'agglomération. Alors, concernant le budget général de la Ville de Montréal et des organismes relevant de son cadre financier, considérant l'agilité exceptionnelle témoignée pour chacune des unités d'affaires en 2020 pour atténuer les impacts de la crise sanitaire, adapter leur offre de services et faire preuve d'ingéniosité pour contribuer à l'effort de restriction budgétaire, tout en préservant la qualité de cette offre de services. Considérant l'intérêt de maintenir pour les années à venir et au-delà de la crise sanitaire, un contrôle serré des dépenses de l'agglomération, la Commission recommande donc à l'administration de, en R1, adopter les budgets de fonctionnement 2021 des services municipaux et d'agglomération, des sociétés paramunicipales de la Ville de Montréal et de la STM, la Société de transport de Montréal, qui ont été déposées à la Commission. D'adopter en R2 les prévisions du PDI 2021-2030, des services municipaux et d'agglomération, des sociétés paramunicipales de la Ville de Montréal et de la Société de transport de Montréal déposées à la Commission. En R3, de poursuivre l'effort de contrôle des dépenses à l'échelle de chacune des unités d'affaires de l'agglomération de Montréal, incluant les sociétés paramunicipales et les autres organismes. En R4, considérant les coûts déjà assumés en lien avec la gestion de la pandémie de COVID-19 en 2020 et le fait que celle-ci aura encore un impact sur les finances publiques de l'agglomération en 2021, considérant que l'instabilité qui en découle commande une vigilance particulière dans l'établissement des prévisions de revenus et de dépenses des différentes unités d'affaires. Considérant que les revenus anticipés en matière d'amendes et pénalités inscrits aux prévisions budgétaires 2021 sont plus élevés de près de 86 millions de dollars par rapport aux résultats réels prévus pour 2020, et considérant que les dépenses anticipées pour les activités de sécurité incendie inscrites aux prévisions budgétaires 2021 sont quant à elles envisagées à plus de 87 millions de dollars à la baisse en 2021 par rapport aux résultats réels prévus pour 2020. Nous demandons d'expliquer les projections budgétaires présentées ci-haut qui révèlent un écart significatif entre les résultats réels prévus pour 2020 et les prévisions pour 2021 afin d'assurer la capacité de la Ville d'atteindre l'équilibre budgétaire. M.
nous continuons dans nos recommandations. Alors, par rapport à l'exercice de présentation et d'étude du budget, considérant la valeur accordée par la Ville de Montréal à l'exercice annuel d'études publiques du budget et sa volonté de travailler à l'amélioration constante de la participation citoyenne à cet exercice, considérant l'importance pour faciliter la compréhension des documents budgétaires déposés par les unités d'affaires de recourir à des termes et références les plus uniformes possibles, nous recommandons en R5 de développer un plan de communication axé sur la vulgarisation du processus budgétaire à l'intention des citoyennes et citoyens montréalais. En R6, de distinguer les terminologies de catégories d'emplois utilisées par la Société du parc Jean-Drapeau afin de refléter le nombre de postes professionnels et le nombre de postes de gestion présents au sein de l'organisme. Par rapport à l'amélioration continue et à la performance organisationnelle, considérant que le taux de mise en œuvre des recommandations présentées dans les rapports du Bureau de la vérificatrice générale de la Ville de Montréal demeure préoccupant, nous recommandons en R7 de produire un bilan annuel de l'état de mise en œuvre des recommandations de la vérificatrice générale par les différentes unités d'affaires concernées, par exemple en produisant un tableau de bord présentant les réalisations de réalisation par service. Présentant le taux de réalisation par service, pardon. Nous continuons en R8, considérant l'importance d'assurer un retour sur investissement des projets en technologie de l'information. Nous proposons de développer des indicateurs clés de performance permettant de mesurer le succès dans les réalisations des projets en technologie de l'information et de démontrer leur taux de rendement par rapport aux sommes investies. En ce qui a trait à la transition écologique et à la résilience, considérant la priorité accordée par l'administration montréalaise à la mise en œuvre de la transition écologique dans tous les secteurs d'activité, considérant l'objectif de faire de Montréal une ville carboneutre à l'horizon 2050, considérant que la ville s'est engagée en 2019 à développer un budget carbone et à se doter d'outils lui permettant d'évaluer les investissements municipaux en considération de leur contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire montréalais et à développer des indicateurs environnementaux à intégrer au budget et programme triennal d'immobilisation à l'époque, considérant que les émissions de GES du secteur des transports représentaient toujours en 2015 40% des émissions globales de la collectivité montréalaise. Nous proposons en R9 de préciser la part du budget de chaque unité d'affaires affectée à la transition écologique ainsi que l'effet mesuré de ces investissements sur l'évolution de la part relative de leurs activités dans le bilan des émissions de GES de la Ville de Montréal. En R10, de poursuivre les efforts en vue d'électrifier les flottes de véhicules de l'ensemble des unités d'affaires de la Ville de Montréal et en R11, d'accentuer les efforts de diversification des revenus sous l'angle de l'éco-fiscalité. Exemple, gestion de l'eau et matières résiduelles. Pardon. En transport collectif, considérant l'évolution prévue de la dette nette de la Société de transport de Montréal, qui passerait de 1,2 milliard de dollars en 2020 à plus de 3 milliards de dollars en 2030, et considérant le déficit structurel du transport collectif et le défi du maintien des actifs à la STM, considérant la mission de l'Autorité régionale de transport métropolitain, la RTM, de centraliser les sources de financement pour assurer le fonctionnement quotidien des transports collectifs et les projets d'amélioration dans le Grand Montréal, considérant le défi associé à un éventuel retour au taux d'achalandage pré-pandémie dans le réseau de la STM, nous recommandons en R12 d'encourager la STM à poursuivre sa recherche de nouvelles sources de financement permettant de contenir son endettement, captation foncière, développement des revenus commerciaux par l'intermédiaire de sa filiale Transgesco, par exemple. En R13, faire des représentations auprès du gouvernement du Québec afin d'augmenter le taux de financement par subvention pour les travaux de maintien des actifs de la STM. En R14, nous recommandons d'œuvrer à l'amélioration du partenariat entre la RTM et la STM afin d'assurer un partage équitable des revenus dédiés au développement du transport collectif à Montréal, de trouver de nouvelles sources de revenus permettant de financer les travaux de maintien des actifs et le développement du réseau, et de garantir
que la génération de revenus autonomes par la STM ne conduise pas à une réduction équivalente des budgets qui lui sont octroyés par l'ARTM. Nous recommandons également en R15 de demander au ministère des Transports du Québec de compléter le plus rapidement possible les procédures d'expropriation nécessaires à la réalisation du projet de prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal. J'ajouterai que nous attendons depuis très longtemps. En R16, faire des représentations auprès du gouvernement du Québec pour revoir et bonifier la part budgétaire allouée au financement du transport adapté à Montréal sans affecter le financement du secteur du service régulier. Enfin, considérant que depuis 2017, l'ARTM est responsable de financer les services offerts par les grandes sociétés de transport sur le territoire métropolitain, incluant la STM, considérant que l'ARTM compte parmi les organismes qui reçoivent une contribution corporative de la Ville s'élevant à 633 millions de dollars pour l'année 2021, en R17, nous proposons d'intégrer une présentation du budget de l'ARTM au futur calendrier d'études du budget par la Commission sur les finances et l'administration. Enfin, considérant l'objectif inscrit dans le plan pour une économie verte du gouvernement du Québec, voulant qu'à l'horizon 2030, les autobus électriques représentent 55 % du parc total d'autobus urbains à l'échelle de la province, considérant l'engagement pris par la STM de faire uniquement l'acquisition à compter de 2025 de véhicules 100 % électriques afin d'atteindre zéro émission de GES dès 2040 si la technologie le permet, considérant les investissements nécessaires pour adapter les équipements de la STM à ces nouveaux véhicules, par exemple par l'électrification des centres de transport, nous recommandons en R18 de négocier avec le gouvernement du Québec une aide financière spécifique pour soutenir le processus en cours d'électrification des autobus de la Société de transport de Montréal. Relativement à l'urbanisme, la mobilité et les infrastructures, considérant l'impact de la multiplication des chantiers sur la fluidité des déplacements sur l'île de Montréal, considérant que la Ville de Montréal n'est responsable que de 25 % des chantiers et considérant que les grands partenaires à l'origine de ces chantiers sont responsables d'assurer une mitigation adéquate de leurs impacts sur la circulation ainsi que des communications claires et opportunes auprès des résidentes et résidents des secteurs affectés. Considérant la responsabilité qui incombe à la Ville de Montréal de bien planifier la réalisation des travaux d'infrastructure prévus à son programme décennal d'immobilisation afin de faciliter la mobilité et d'assurer la sécurité de la population montréalaise dans les différents secteurs de l'île, en R19, nous proposons d'établir un plan d'ordonnancement des travaux prévus par les grands partenaires de la Ville ainsi que des travaux majeurs prévus dans le PDI. Par exemple, réfection du pont de l'île aux Tourtes, réfection de l'autoroute métropolitaine, le boulevard Pie-Neuf, le quartier Namur-Hippodrome, l'échangeur Saint-Pierre, etc. En R20, nous proposons d'améliorer la gestion des entraves et des nuisances lors des travaux de réfection majeure en concertation avec les grands partenaires. En R21, nous proposons de mettre en œuvre des plans de communication robustes et adaptés, permettant d'informer en continu la population quant aux entraves et à la durée des travaux d'infrastructure menés sur le territoire de la Ville, incluant ceux relevant de la Commission des services électriques. En R22, nous recommandons de travailler avec les différents partenaires institutionnels publics et privés pour fixer des objectifs ambitieux d'enfouissement des réseaux câblés sur le territoire de la Ville et réduire les délais de coordination nécessaires à la réalisation de ces projets. En matière de développement économique, considérant les nombreuses mesures d'aide d'urgence adoptées depuis le printemps 2020 pour soutenir les entreprises et les commerces affectés par la crise sanitaire et par ses conséquences. Considérant la feuille de route, les investissements de 60 millions de dollars annoncés le 3 décembre dernier pour préparer la relance économique en 2021, nous recommandons en R23 de maintenir toutes les mesures qui se sont avérées efficaces
pour soutenir les commerçants, les entrepreneurs et les secteurs très touchés par la pandémie et travailler à l'amélioration des autres mesures pour les rendre les plus performantes possibles. En R24, réaliser les investissements proposés dans la feuille de route pour stimuler la relance économique de l'agglomération et plus spécialement du centre-ville de Montréal dès le premier trimestre de 2020-21. En matière de l'eau, considérant l'état détérioré d'une portion importante des infrastructures de l'eau à Montréal, les efforts constants déployés pour rattraper le déficit d'entretien de ces infrastructures et les investissements majeurs faits à cet égard ces dernières années. Considérant les spécificités du réseau d'aqueduc et d'égouts montréalais, particulièrement l'étendue exceptionnelle de ces conduites, considérant l'augmentation depuis 2018 de la proportion de l'eau financée par emprunt plutôt que par subvention gouvernementale ou par paiement comptant. Considérant l'ampleur des besoins d'investissement du service pour la période 2021-2030, qui s'élève à 9,9 milliards de dollars, le PDI s'élevant quant à lui à 4,9 milliards de dollars, soit 44 % des besoins. Nous proposons en R25 de faire des représentations auprès des gouvernements provincial et fédéral pour une reconnaissance du caractère spécifique de la métropole en matière d'entretien et de renouvellement de ses conduites d'égouts et d'aqueducs afin de bénéficier de programmes de subventions substantiels et adaptés. En ce qui a trait au service de police de la Ville de Montréal, considérant le mémoire déposé en septembre dernier par le service de police de la Ville de Montréal devant le comité consultatif sur la réalité policière dans le cadre du dépôt du livre vert « Réalité policière au Québec, modernité, confiance, efficience », considérant les préoccupations de plusieurs groupes et personnes ayant déposé des questions et commentaires dans le cadre de l'étude publique du budget relativement à l'augmentation du budget du SPVM et les demandes de transfert des sommes qui y sont allouées vers des instances qui détiennent une expertise propre en matière d'itinérance, de prévention des toxicomanies, de santé mentale, etc. Considérant l'importance de dénoncer et de corriger toute forme de profilage racial ou social reconnue par la Commission lors de la consultation prébudgétaire menée au printemps et à l'été 2020, considérant l'acuité de la problématique des interventions policières auprès de personnes en crise dont l'état mental est perturbé, ainsi que les efforts déployés par le SPVM pour adapter son offre de services et intervenir adéquatement auprès de ces personnes. Nous recommandons en R26 d'amorcer, tel que recommandé lors de la consultation prébudgétaire, une réflexion globale portant sur la meilleure façon de distribuer les sommes allouées aux services sociaux et communautaires, au sein des unités d'affaires de la métropole et des partenaires du milieu, afin d'en maximiser l'impact sur les communautés. En matière de ressources humaines, considérant l'impact budgétaire important de toute augmentation dans les besoins de main-d'œuvre des différentes unités d'affaires, considérant la nécessité de mieux cerner l'impact de la gestion des ressources humaines sur la dette globale de la ville, et le versement des intérêts à cet égard, nous proposons en R27 de produire une reddition de compte concernant les récents efforts de réduction des postes capitalisés dans le budget général de l'ensemble des unités d'affaires et veiller à limiter le plus possible le recours au financement de postes via le programme d'immobilisation. Considérant les constats de la commission mandatée par l'Office de consultation publique de Montréal pour tenir une consultation sur le racisme et la discrimination systémique dans les compétences de la Ville de Montréal, considérant les recommandations formulées par cette commission pour remédier aux lacunes importantes du plan d'action pour la diversité en emploi 2016-2019 qu'elle a identifié, considérant la nomination imminente par la Ville d'un ou une commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques, dont le mandat sera de s'assurer que l'ensemble des unités d'affaires agissent fermement et de façon concertée pour combattre le racisme et les discriminations, nous recommandons en R28 de poursuivre les efforts pour améliorer la diversité et l'inclusion en emploi à la Ville de Montréal par des solutions innovantes visant l'ensemble des unités d'affaires
y compris les sociétés paramunicipales et les organismes. Par exemple, identification d'ambassadeurs ou de mentors à l'intérieur des organisations. En matière d'accessibilité universelle, considérant l'engagement pris par la Ville de Montréal dans sa politique municipale d'accessibilité universelle en 2011, qui est d'intégrer l'accessibilité universelle à toutes les étapes de décision et de mise en œuvre des diverses activités municipales, nous recommandons en R29 d'intégrer au programme d'aide financière de la Ville de Montréal un critère de respect des normes et recommandations en matière d'accessibilité universelle, par exemple, mais ce n'est pas limitatif, le plan de commerce. Nous, en matière d'analyse différenciée selon les sexes plus ADS+, considérant l'engagement pris par la Ville de Montréal de rendre ses services, programmation et aménagement plus inclusifs des groupes vulnérables sous-représentés ou pouvant faire l'objet d'exclusion, considérant les projets pilotes déjà réalisés à cet effet ou en cours de réalisation, impliquant la participation de 2 arrondissements de 5 services administratifs, en R30, nous recommandons de poursuivre l'intégration systématique de l'approche d'analyse différenciée selon les sexes plus, ADS+, dans les programmes, projets et infrastructures des unités d'affaires de la Ville de Montréal, des sociétés paramunicipales et de ses organismes. En ce qui a trait à la culture et aux événements, considérant le rôle fondamental que joue la culture dans le développement de Montréal, considérant que le secteur culturel a été parmi les plus affectés par les mesures de confinement mises en place en 2020, considérant les efforts déjà déployés par la Ville et ses partenaires pour atténuer les impacts de la crise sur le milieu artistique et culturel montréalais, considérant l'innovation et la résilience dont a fait preuve le milieu pour adapter l'offre et les formes culturelles aux nouvelles restrictions ainsi qu'aux nouvelles possibilités. Nous proposons en R31 de poursuivre le soutien aux activités artistiques et culturelles qui se tiendront éventuellement dans l'espace public dans le respect des normes sanitaires en vigueur. En R32, d'encourager la révision des modèles d'appui aux artistes et professionnels de la culture en tenant compte du nouveau contexte et sans se substituer au palier de gouvernement supérieur. En R33, nous proposons de faire des représentations spécifiques auprès du gouvernement du Québec pour compléter l'effort de la Ville de Montréal dans le soutien aux artistes et pour les événements qui ont déjà été annulés pour l'année 2021. En R34, nous proposons de poursuivre la réalisation du plan de mise en œuvre des quartiers culturels en adaptant, si nécessaire, les projets qui y sont prévus. En ce qui a trait à l'espace pour la vie, considérant les bouleversements importants connus en 2020 dans les activités d'espace pour la vie, qui se sont traduits par la perte de 24 millions de dollars de revenus, fermeture durant plusieurs mois, annulation de certaines activités d'envergure et suspension des chantiers de rénovation, les différentes variables qui expliquent cette perte de revenus, considérant l'aide financière de 263 millions de dollars accordée à la Ville de Montréal par le gouvernement du Québec visant à limiter les impacts financiers causés par la pandémie, considérant l'importance de soutenir de manière pérenne la mission de recherche scientifique et d'éducation relative à l'environnement d'espace pour la vie, nous recommandons en R35 de poursuivre les représentations auprès du gouvernement du Québec afin de permettre à l'espace pour la vie de bénéficier de l'aide financière actuellement offerte aux institutions muséales pour compenser le manque à gagner causé par la chute de leurs revenus. Pardon. Grand parc, sport et loisirs. Alors, considérant la programmation hivernale 2021 diversifiée, proposée à la population montréalaise, notamment la mise en place de 25 stations hivernales dans 17 arrondissements et l'élargissement de la programmation sportive dans les grands parcs. Considérant les impacts de l'annulation de plusieurs événements sportifs d'envergure prévus sur le territoire montréalais, non seulement pour 2020, mais également pour l'année à venir. Nous proposons en R36 de pérenniser l'offre bonifiée de sports d'hiver dans les grands parcs ainsi que l'offre d'activités hivernales de proximité dans un objectif de mise en valeur de la nordicité de Montréal. En R37, nous proposons d'examiner la possibilité d'offrir
une aide financière d'urgence aux entreprises et organismes qui œuvrent dans le milieu événementiel sportif à Montréal. En matière d'affaires juridiques, considérant les délais importants de traitement des dossiers en matière pénale à la Cour municipale qui tendent à nuire à l'application de la réglementation en vigueur, nous proposons en R38 de faire des représentations auprès du gouvernement du Québec pour permettre à la Ville de Montréal d'adopter un régime de sanctions administratives pécuniaires afin d'accélérer le traitement de certaines sanctions en matière pénale. Et enfin, au niveau de la concertation des arrondissements, considérant les nombreux reports dont a déjà fait l'objet le projet de refuge animalier municipal depuis plusieurs années, considérant les études et les démarches réalisées par le service de la concertation des arrondissements en 2020 afin d'établir de nouveaux concepts pour ce projet, nous proposons de compléter la réalisation du projet de refuge animalier dans les meilleurs délais possibles. Alors voilà, nous vous remercions. Il s'agit d'un rapport assez étoffé et volumineux. Ce sont les propositions de recommandations que nous formulons à l'endroit du conseil municipal et également au conseil d'agglomération. Alors, je vais demander pour l'efficacité de la réunion à mes collègues de proposer et d'appuyer, et s'il y a lieu, des personnes qui sont dissidentes ou qui sont contre certaines résolutions pourront le faire ensuite. Alors, quelqu'un qui propose l'adoption en bloc des recommandations que nous proposons? Je propose, Monsieur le Président, Marie-André Mauger. Alors, Madame Mauger, quelqu'un qui appuie, s'il vous plaît? J'appuie, Monsieur le Président, Sophie Mauzerol. Merci, Mme Mauzerol. J'aimerais savoir maintenant s'il y a des recommandations avec lesquelles certains membres ne sont pas d'accord. Monsieur le Président, Georges Borrell, nous ne pouvons appuyer R1 et R2. Alors, c'est vous et M. Batoshi probablement qui va déclarer. Oui, exactement. Tous les deux. Merci. Merci. Oui, M. le Président. Le Président, Aaron de Souza. M. de Souza. Merci. Sur les recommandations, notre formation politique, dont moi-même et mon collègue, M. Richard Gay, veut enregistrer notre distance sur R1 et R2. Merci beaucoup, M. de Souza. C'est enregistré par Mme Laforce, qui est notre secrétaire recherchiste. Elle m'indique que c'est noté. Merci beaucoup. Alors, maintenant, étant donné que notre rapport est adopté et qu'il pourra cheminer à l'intérieur des instances, vous me permettrez, avant toute chose, avant de passer à la période de commentaires des commissaires, nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de commentaires du public. Et comme je l'ai indiqué en début d'assemblée, le formulaire en ligne a été ouvert ce matin pour permettre aux citoyens et citoyennes de transmettre leurs questions et commentaires à la commission. Alors, nous avons reçu deux questions et commentaires que je vais lire à tour de rôle et sur lesquels je vais pouvoir répondre au nom des membres de la commission. Alors, une première question de M. Bernard Blanchet. L'Association des plaisanciers du port de plaisance de Lachine a déposé un mémoire auprès de la commission sur la fermeture de la marina de Lachine. Celui-ci a réussi à mettre en perspective cette décision prématurée. Vous avez été en mesure de constater l'histoire, le volet financier, le volet de cohabitation et l'ouverture d'une solution gagnante pour tout le monde. Comment pouvons-nous compter sur vos recommandations dans ce dossier? Alors, merci, M. Blanchet, de cette question. D'abord, la commission a bien reçu le mémoire de l'Association des plaisanciers de Lachine. Il y a d'ailleurs eu un accusé réception qui a été acheminé à sa présidente, je pense, c'est jeudi dernier, si je ne m'abuse. Les membres ont eu l'occasion d'en prendre connaissance. Nous en avons discuté, mais il n'y a pas eu de recommandation de retenue
pour le rapport de la commission. Je comprends et nous comprenons qu'il y aura éventuellement aussi des consultations publiques sur ce sujet. Donc, votre rapport a été noté au sein de la commission. Nous en avons pris connaissance. Il a été placé, je pense, sur le web, si je ne m'abuse, là, pour être complètement transparent et aux yeux du public. Mais nous n'avons pas décidé de retenir des recommandations à cet égard. Alors ça, c'est ce qui répond à la première question. Deuxième question de Mme Josée Côté, qui, elle, est présidente et porte-parole de l'Association des plaisanciers du port de plaisance de la Chine. Alors, lors d'une présentation du service des parcs le 13 août, un des aspects touchés était la rentabilité de la marina. La récapitulation du volet financier, suite à la documentation reçue via l'accès à l'information, démontre un surplus d'exploitation annuel moyen de 133 000 $. De plus, les rénovations urgentes pour 2021 peuvent être payées par les plaisanciers, comme indiqué dans la lettre envoyée au commissaire. Pourquoi ne pas revenir sur votre décision de fermer la marina? Alors, Madame Côté, encore une fois, je réitère que les membres de la commission ont pris grand soin de lire le rapport. Mais votre question d'aujourd'hui, n'est pas directement reliée au rapport que nous déposons. Elle s'adresse à l'administration de la ville et non pas à la commission. Donc, vous l'adressez à notre intention, mais je vous référerai plutôt au conseil de ville ou encore au conseil d'agglomération pour poser ce genre de questions qui doit être répondu, il me semble, par l'administration, puisque c'est elle qui va déterminer les choix à cet égard. Alors, je vous remercie pour votre question et je vous invite à faire un suivi auprès du conseil municipal et auprès de d'autres instances auxquelles vous voudriez faire valoir votre point de vue dans les prochaines semaines ou prochains mois. Merci beaucoup. Alors, ça complète les questions de la part du public. Nous allons maintenant passer à une période de questions ou de commentaires des commissaires. Comme vous le savez, les commissaires ont un certain nombre de minutes. Alors, je vais d'abord offrir la possibilité à M. Bourrel pour environ 5-6 minutes, de discuter le rapport de la commission ou présenter certains aspects peut-être de ces divergences de vues pour R1 et R2. Et ensuite, nous pourrons passer peut-être, je pense, à M. de Souza. Alors, M. Bourrel, à vous la parole. Merci, M. le Président. M. Botassi et moi-même, au nom des villes, avons déposé un rapport minoritaire à la commission. Je vous invite tous et toutes de le lire au complet. Voici quelques passages. D'entrée de jeu, nous recommandons à nos collègues des villes de banlieue de ne pas appuyer le présent budget 2021 de l'agglomération et des autres budgets complémentaires afférents de la Ville de Montréal, puisque le résultat de celui-ci ne cadre pas avec les attentes légitimes de nos municipalités. Qui plus est, nous devons souligner que le paiement des quotes-parts des villes liées est en croissance de plus de 3%, ce qui est un taux d'inflation deux fois plus élevé que les prévisions des grandes banques canadiennes. Lors des consultations prébudgétaires, plus tôt cette année, nous avions invité l'administration Plante-Doré à revenir à l'essentiel et à tenir compte de la nouvelle réalité dans laquelle nous sommes tous plongés. Bien qu'il y ait des arbitrages et des ralentissements de dépenses dans certains services, force est de constater que la Ville n'a pu ralentir sa propension à étendre son champ d'action. Il est utile de rappeler également que nous ne pouvons appuyer ce projet en raison de l'inéquité existante dans le partage des coûts des services de l'agglomération de Montréal. Nous croyons qu'un partage équitable entre l'ensemble des villes de l'agglomération doit tenir compte, entre autres, de la consommation réelle des services de l'agglomération par chaque municipalité. Ce déséquilibre se manifeste plus précisément dans les services de l'eau, de la gestion des déchets et du transport collectif. Les services du SPVM et du CIM devraient également tenir compte d'un facteur populationnel dans les répartitions de la facture.
Contrairement à ce qui est mentionné en page 208 dans le budget 2021, la pandémie ne peut pas être invoquée comme justification pour l'échec des pourparlers, enfin d'en venir à une entente sur le potentiel fiscal et le partage équitable des quotes-parts, compte tenu des nombreuses tentatives infructueuses menées par l'AMB auprès des autorités montréalaises. Il s'agit d'un dossier que nous devons régler lors de l'année 2021, notamment autour de la table de travail qui sera mise de l'avant et supervisée par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, selon le projet d'arrêté ministériel déposé en octobre 2020. Enfin, nous souhaitons saluer bien sincèrement la proposition de l'administration Plante Dorée d'offrir une tarification réduite au réseau de la Société de transport de Montréal pour les aînés et les enfants à compter du 1er juillet prochain. Les villes liées comptent participer à ce programme dans la mesure où la répartition des coûts sera équitable et qui sera faite sur l'usage réel de chacune des villes. Ce programme n'a sens pour nos membres que si chaque ville assume la part qui lui revient vraiment. En conclusion, nous souhaitons réitérer la préoccupation de la fragilité évidente de l'état des finances publiques de la Ville de Montréal et de l'agglomération parce qu'elle affectera cette année et dans les années à venir le financement que les villes liées auront assumé. Nous croyons plus que jamais que nous soyons appelés à éponger un déficit record dans le cadre du prochain exercice budgétaire. Autant dire que les célébrations suivant les élections municipales de novembre prochain seront de courte durée lorsque nous devrons assumer un déficit oscillant entre 180 millions et 200 millions en raison des décisions prises cette année. Nous croyons sincèrement que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour que Montréal assainisse ses finances et qu'elle fasse preuve d'un effort beaucoup plus soutenu pour réduire ses dépenses en ressources humaines. Par ailleurs, nous ne pouvons pas appuyer ce budget puisque le partage des quotes-parts demeure inéquitable et injuste pour les villes liées. Nous tenons particulièrement à souligner la collaboration de l'ensemble des membres de la Commission des finances et de l'administration au cours des dernières semaines, particulièrement son président, le conseiller municipal Richard Deschamps, qui a mené de main de maître les travaux. Nous voulons également souligner l'accompagnement de la secrétaire recherchiste Myriam Laforce ainsi que Julie Demers plus tôt au cours de l'année. Nous souhaitons souligner le professionnalisme de l'ensemble des hommes et des femmes qui commandent des divers services de la ville et de l'agglomération de Montréal, particulièrement messieurs Serge Lamontagne et Yves Courchaine, ainsi que leurs équipes respectives. Enfin, nous signons le travail et les heures passées à boucler le budget par le président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoît Doré, au cours des derniers mois. Nous espérons que nos commentaires ne seront pas perçus comme une critique aveugle du travail qui a nécessité moult arbitrages au sein de son corpus, de l'ensemble des élus montréalais et des unités d'affaires de la Ville. Le contexte provoqué par la pandémie aura ajouté un degré de difficulté supplémentaire dont nous serions tous passés, bien sincèrement. Même si nous ne pouvons appuyer le dernier budget déposé par Montréal, nous réitérons ce que nous affirmions en introduction du rapport minoritaire de la nécessité de régler en 2021 le différent relativement à la part équitable qui revient aux villes liées dans le paiement des services d'agglomération. Nous sommes d'avis qu'une telle entente est la clé de voûte vers des discussions beaucoup plus sereines avec notre partenaire au cours des prochaines années. Les pourparlers autour de la table de travail qui sera en place et supervisée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en 2021, comme que prévu à son arrêté ministériel, permettront de régler définitivement la question. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour merci Monsieur Bourrel, merci pour vos bons mots. Alors pour tout le monde d'ailleurs, on l'apprécie. Alors merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur De Souza. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, je débuterai mes commentaires en remerciant vous-même et tous les mes collègues de la commission pour l'occasion d'avoir d'étudier ce budget en profondeur avec les échanges et puis aussi avec le débat qu'on a eu pour arriver à les conclusions que vous avez citées tantôt. Je profite aussi de remercier Mme Laforce et aussi Mme Julie Demers aussi pour le travail où les deux nous ont épaulés. Bien sûr, tout le
corps public, la fonction publique, on est reconnaissant de la temps qu'ils ont dévoué. Je vous avoue que c'est avec un grand regret que notre formation politique ne sera pas en mesure d'appuyer ce budget, Monsieur le Président. Le fait qu'on a passé 3 semaines pour faire l'étude illustre plusieurs lacunes et ça va être très difficile pour nous de voir comment on peut justifier à une première vue. On constate que cette année 2020, qui est dans les documents budgétaires, témoigne un déficit de 155 millions au niveau de l'agglo, qui, selon un calcul, va estimer un déficit de, disons, 100 millions pour la Ville de Montréal pour l'année terminant 2020. Vous savez, on n'a pas le droit de budgéter un déficit, mais ici, on est en train de réaliser un déficit pour cette année qui s'en vient. Et je vous avoue que ma déception est ancrée dans le fait que l'administration avait des choix, soit avec l'argent gouvernemental qui les octroyait, mais a choisi de générer un déficit pour l'année en question. On connaîtra le dénouement et les chiffres exacts en avril prochain, mais les stratégies sont pas difficiles, soit ça va nous forcer de absorber la quote-part pour Montréal par les surplus des années passées qui va vider le tiroir, qui va vider ce que nous avons accumulé au fil des ans. Et deuxièmement, ça risque aussi de créer des problèmes budgétaires pour Montréal parce que à ce moment-là, il n'y aura pas de ces montants. Il faut trouver ces montants sur une base récurrente pour l'année 2022. Si le choix est fait de ne pas utiliser les surplus, à ce moment-là, toute ou une partie de ça risque d'être transférée en 2022. Et puis encore, une administration future va être faire face à cet enjeu-là qui se frôle dans les dizaines de millions, sinon des centaines de millions, dépendamment sur les chiffres qui sont montrés. Monsieur le Président, j'ai une grande déception que je trouve que dans le budget tel que déposé, nous en avons aussi des grands écarts, des écarts que je juge que sont des éléments qui ont présumé que ces montants vont être réalisés avec l'objectif d'équilibrer le budget. Mais comme vous et moi et d'autres collègues avaient constaté, il y a des écarts entre qu'est-ce qui était budgété et réalisé. Et pour une raison ou autre, il semble qu'ils ont déjà, l'administration avait choisi de projeter un montant équilibré, sachant que les montants réalisés cette année n'étaient pas au rendez-vous. Donc, à ma première vue, il y a beaucoup d'éléments qui me donnent des doutes pour voir comment ces montants vont réaliser. Et à toute fin pratique, les risques sont assez significatifs que si la pandémie continue, on risque d'avoir une possibilité d'un déficit aussi pour 2021. Mais le point qui me décevoir le plus, Monsieur le Président, c'est la volonté de transférer des dépenses en 2022 après les élections. Il y a plusieurs occasions où on a eu la chance de voir que ces dépenses vont être transférées à la prochaine administration et je pense que ça me décevoir plus au point. Les éléments aussi qui restent à parler, puis je vais être courte, c'est le niveau d'endettement que l'administration a choisi de nous léguer. Je vous avoue que on a déjà pour la troisième année consécutive est en train de dépasser 120%. Troisième année, on dépasse la politique de la ville et en conséquence, c'est juste une lègue que les générations futures vont absorber. Donc, pour ces raisons, mais aussi pour les raisons bien articulées dans le rapport minoritaire qui est soumise, il y a une plus grande profondeur donnée à ça, mais je vous dis ça pour votre attention, puis je remercie pour votre écoute et puis aussi votre collaboration. Merci d'avoir nous guidé dans le processus et je pense qu'on aura l'occasion de partager cette information avec nos collègues au Conseil à la prochaine séance du Conseil municipal. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci, Monsieur de Souza. Merci pour vos bons mots, votre concision, c'est apprécié. Alors, maintenant, j'ai Mme Maugé et ensuite Mme Moserolle. Mme Maugé.
Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Eh bien, moi, je voulais dire aussi que ben aujourd'hui, c'est pour nous la conclusion d'un exercice qui a commencé le 18 novembre avec on a eu 13 séances publiques de présentation, 5 séances de travail pour élaborer notre rapport de recommandation. Donc, je voudrais aussi vous remercier, Monsieur Deschamps, pour cette présidence qui est un travail d'équilibriste, de patience, qui demande beaucoup d'énergie et puis vous réussissez à le faire avec brio. Je remercie aussi le soutien de nos secrétaires recherchistes, Myriam Laforce et puis Julie Demers, qui était associée à la commission jusqu'à tout récemment. Bien sûr, je veux aussi remercier les citoyens qui ont pris part à l'exercice parce que c'est quand même un grand travail. En fait, ça demande beaucoup de disponibilité pour les citoyens en dehors du quotidien qui est souvent exigeant de s'investir aussi dans la consultation que la Ville de Montréal offre. Bon, on a celle sur le budget, mais il y en a d'autres. Donc, je disais, depuis le 18 novembre, ça a été un marathon où 30 services de la Ville sont venus nous présenter leur budget de fonctionnement et d'investissement. On a eu des dizaines de documents à lire, celui des sociétés paramunicipales et des organismes qui font partie du cadre financier. Le budget de la Ville, c'est 1,17 milliard pour 2021. Avec un programme d'investissement sur 10 ans de 19 milliards. Moi, j'aime bien rappeler des fois dans le portrait global qu'on parle d'une population de 2 millions sur un territoire de 500 km² avec 19 arrondissements et 15 villes. Donc, c'est quand même tout un casse-tête à assembler. Et je pense qu'il est quand même important de reconnaître que cette année, ben, en 2021, le budget est symboliquement en baisse de 1,5 million de dollars par rapport à celui de l'année en cours. Et ça démontre un grand souci de contrôler les dépenses, et je dirais même y compris les dépenses qui sont réparties en code phare avec les villes liées. La Ville de Montréal, quand même, représente 82% de ses codes parts. Donc, tout le monde a un intérêt à contrôler les dépenses. Et ce, malgré la pandémie qui apporte un lot d'incertitudes et beaucoup de défis aussi. Et c'est ça, quand même aussi le budget 2021, malgré que les revenus de la ville reposent à hauteur de 64% sur la taxe foncière, présente un budget donc avec une taxe dont le taux de taxation a été gelé en 2021, donc ni même une hausse pour suivre le niveau d'inflation. Et faut quand même aussi noter que dans ce défi-là de geler le taux de taxation, il y a toujours les dépenses de la ville qui augmentent peu importe ce qu'on fait parce qu'on a la hausse de la masse salariale chaque année qui est au moins à hauteur de 2,5%. Et la masse salariale du budget représente 41% de toutes les dépenses de la ville. Et je dirais aussi que l'étude du budget révèle de belles surprises, des initiatives inspirantes, puis des améliorations attendues aussi, disons-le. Mais on voit aussi un lot de défis, des fois des projets qui tardent à aboutir. Mais en trame de fond, on a toujours le souci d'une saine gestion des fonds publics et de la dette. Et pour moi, c'est depuis avril 2019 que je suis membre de la commission. C'était un deuxième exercice d'étude du budget. J'ai eu l'occasion aussi de participer à deux reprises aux consultations prébudgétaires. Et puis, cette commission-ci nous permet de développer une connaissance globale de l'appareil municipal, puis d'apprendre à connaître les hauts fonctionnaires. Et particulièrement cette année, dans l'exercice de l'étude du budget, je trouve qu'on a eu l'occasion de découvrir de nouveaux gestionnaires qui étaient étonnamment bien en selle et on voit une relève qui fait plaisir et qui nous rassure aussi. Et je trouve aussi que de façon générale, parmi les gestionnaires, on sent un feu sacré pour le service public, la recherche d'amélioration, malgré quand même une lourdeur administrative qui est propre aux méga-organisations. Quand même, la Ville de Montréal, c'est 28 000 employés. C'est à elle seule, la Ville de Montréal représente une municipalité beaucoup plus grande que les municipalités au Québec. Et donc, j'aimerais, en terminant, lever mon chapeau à tous les artisans et artisanes de l'administration publique qui n'ont pas peur de se remettre en question et qui font preuve de rigueur et d'entrepreneurship dans la recherche de solutions. Alors, je vous encourage à garder le feu sacré. Voilà, je vous remercie.
Merci, Mme Auger, très apprécié. Je suis persuadé que tous nos artisans fonctionnaires vont apprécier vos propos d'une façon particulière. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Mme Moserolle. Merci beaucoup, M. le Président. Écoutez, je vais faire un petit peu de pouce sur ce que ma collègue, Mme Auger, disait. Moi, je tenais à souligner, en fait, le professionnalisme, la rigueur, la très grande capacité d'adaptation des différents services de la Ville dans le contexte de la pandémie et l'agilité exceptionnelle dont ils ont réussi à faire preuve pour répondre aux besoins des secteurs les plus touchés, puis aussi pour répondre aux enjeux que vivaient les plus vulnérables d'entre nous avec la perspective de ne laisser personne derrière. Je pense qu'il faut le soulever, Mme Auger en parlait. Nous sommes une grande organisation et cette agilité, ce sens de l'innovation dont ils ont fait preuve nos services, je pense, mérite d'être souligné. Je tiens aussi, moi, de mon côté, à souligner les immenses efforts qui ont été faits dans le cadre de cet exercice budgétaire-là. Contrairement à certains de mes collègues, moi, je considère que c'est un véritable tour de force dans le contexte où la Ville a dû faire face à de nombreuses dépenses imprévues, d'arriver à déposer un budget qui était équilibré, donc sans déficit, en deçà, comme ma collègue Mme Auger le disait, du budget de l'an passé, tout en gelant les taxes des ménages montréalais, parce qu'on sait bien entendu que la situation est épouvante, hein, pour tout le monde, et aussi en diminuant le fardeau fiscal de la grande majorité des commerçants et commerçantes qui eux aussi vivent les contre-coups de la pandémie qu'on connaît. Je tiens aussi à mentionner que c'est un exercice novateur cette année. Malgré toute la pandémie, on a quand même réussi à arriver avec un exercice novateur. Hein. On n'a plus de plan triennal d'immobilisation, mais bien des plans décennales d'immobilisation, ce qui va nous permettre, en fait, comme ville, de faire une meilleure planification de nos projets et de nos investissements. Donc ça, je pense que c'est un bon coup à souligner. Et à l'instar de ce que ma collègue disait, je pense qu'on peut être très, très fiers donc de notre fonction publique et de ce budget. Donc, je vous invite à en prendre connaissance. Ça peut parfois être un peu rébarbatif, mais c'est très, très, très intéressant. Il y a effectivement de très belles nouvelles, là, entre autres au niveau de l'accessibilité au transport en commun pour les personnes âgées et pour les jeunes. Donc, je vous invite vraiment à vous saisir de ce document-là et je remercie encore une fois nos équipes. Et vous, Monsieur Deschamps, je pense qu'on ne dira jamais assez de tout le travail que vous nous avez aidé à faire dans les dernières semaines. Merci, Mme Moserolle. Merci pour vos bons mots. Ils sont appréciés. Monsieur Tomlinson voulait prendre la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À mon tour de vous remercier, Monsieur le Président, pour le travail que vous avez fait, pour la main de maître avec laquelle vous nous avez guidés lors de ces trois dernières semaines. Je pense qu'on serait un peu perdu à plusieurs reprises sans votre expertise et votre expérience. Donc, merci encore une fois. Ça a été pour moi une aventure assez extraordinaire de participer à cette commission. J'espère que je vais avoir la chance de répéter l'exploit. Je remercie l'ensemble de mes collègues. À mon tour de remercier l'ensemble des services, j'aimerais par contre miser sur le facteur humain. On oublie souvent, on parle de nos services, des directions, etc. Mais ce sont tous des êtres humains qui ont tous eu, eux aussi, à subir les effets de la pandémie. Et ils ont, à chacun leur tour, à leur manière, été impactés par les mesures de restriction, distanciation, s'habituer au télétravail, parce que ce n'était pas une habitude nécessairement bien courue à la ville. Et je reviens à une certaine terminologie qui s'applique bien à cette année, flexibilité, agilité. Ce n'était pas nécessairement des choses qu'on associait à la Ville de Montréal, mais je suis très fier de dire qu'on peut mettre ces rumeurs-là dans le passé, parce que on a vu cette année vraiment que la Ville est entre bonnes mains, et je veux féliciter encore une fois l'ensemble des gens qui ont travaillé de proche, de loin, à la mise en place du budget, et je pense que dans le travail que nous avons fait comme commission, nous avons une série de recommandations qui vont aider à aider la ville à aller encore plus loin, notamment au niveau de la transition écologique, au niveau des communications, entre autres, que je retiens de nos travaux. J'espère que on va poursuivre avec le concept aussi de toute la transparence au niveau du public. On a fait des consultations prébudgétaires avec le public. Nous sommes en direct aujourd'hui.
au public et j'espère que nos travaux, qui ne sont que le début, vont amener encore plus de Montréalaises et de Montréalais à participer, à suivre nos travaux et à bien comprendre comment fonctionne leur ville. Donc, merci à toutes et à tous encore une fois. Merci, M. Tomlinson. Puis ce que vous soulignez est extrêmement important, justement, pour la démocratie municipale puis l'implication des citoyens et citoyennes. Elle est toujours appréciée. Alors, merci pour souligner cet aspect particulier que nous vivons en démocratie. On l'oublie, mais on est très, très chanceux de vivre en démocratie. Alors, il y a une autre personne qui m'a demandé de prendre la parole. Je pense que c'est M. Vaillancourt. M. Vaillancourt, la parole est à vous. Merci, M. le Président. Je vais faire un écho. Je m'en voudrais de ne pas prendre la parole et remercier tout le monde sur la commission. De vous remercier, vous, M. le Président, là, pour, comme M. Thomasson a dit, de nous mener avec une main forte dans la bonne direction, qui n'est pas toujours évident avec le groupe que nous sommes, qui veut tous du bien pour Montréal. Les citoyens aussi qui ont participé, je trouve que c'est très important comme exercice là, au niveau citoyen et leur participation dans des ententes et de voir là, comment nous guider dans tout ce processus-là. Une mention spéciale, M. Tomlinson l'a mentionné, mais à tous les fonctionnaires de la ville. J'ai été ce matin, et à l'administration, je suis vraiment fier de comment nous avons mené l'exercice là, de gérer la ville pendant cette pandémie qui est historique. Hein? Ce matin, j'étais à l'émission Bon Accueil, puis on nous disait que je pense qu'on est rendu à la 54e mesure d'urgence là, mise en place, qui est historique présentement. Alors, ce n'est pas facile, mais je suis très fier là, de comment les choses avancent, l'administration a mis les choses en place. Et aussi, j'aimerais remercier là, la façon dont l'administration a mis en place là, les mesures sanitaires. Ce matin, à la mission, les gens me disaient que, incluant les autres paliers, là, pas juste municipal, mais que les effets aurait été beaucoup plus dévastateur sur la population, étant de toutes les mesures mises en place là, au niveau municipal et provincial et fédéral. Alors, je pense que tout le monde a du crédit là, dans ça et moi, je suis très fier là, de comment on avance. Le futur nous démontrera là, que je pense que les choses qu'on a mises en place étaient pour des bonnes raisons, étaient les bonnes choses, les bonnes mesures à prendre. Alors, merci à tout le monde et au plaisir, ça fait mon quatrième, depuis 2017 que je siège, là, et c'est toujours une belle expérience, et comme M. Tomlinson, en espérant que je serai ici pour le prochain budget de la ville. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, M. Vaillancourt, merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres demandes de prise de parole. Donc, merci. Nous en sommes maintenant à la dernière partie parce que l'ordre du jour est épuisé, donc il va être l'heure de lever la séance. Juste avant, je tiens à vous rappeler une ou deux choses. D'abord, que le rapport d'étude du budget préparé par la Commission sera déposé aux assemblées extraordinaires du Conseil municipal et du Conseil d'agglomération des 9 et 11 décembre prochains, respectivement. Donc, nous allons rediscuter tout ça. Et il ne me reste aussi, avant la levée de l'Assemblée, qu'à... D'abord, je veux remercier l'ensemble de mes collègues. Ils ont eu des bons mots, mais il faut travailler en collaboration et en équipe, malgré toutes les discussions très sérieuses que nous avons eues et parfois, mon Dieu, comment dire, serrées, mettons ça comme ça. Je pense que tout le monde a mis du sien et a été présent. Et a participé activement et de façon proactive. Alors moi, je l'apprécie particulièrement parce que ça facilite la tâche comme président et je veux remercier l'ensemble de mes collègues qui, j'en suis certain, travaillent pour le bien public. Et puis ça, il faut le répéter, que les élus ne néglige rien pour bien représenter la population et faire en sorte que l'on puisse prendre les meilleures orientations possibles. Il y a parfois certaines parties de la population qui ne pensent pas ça, mais je pense qu'il faut le répéter quand même. À l'effet, en tout cas, moi, l'expérience que j'ai, c'est que les gens sont très dédiés, si je peux dire, et très investis. Alors, je tiens
vraiment à remercier mes collègues de la commission. Je tiens à remercier tous les fonctionnaires qui ont procédé aux présentations tout au cours de cette période d'études, les élus responsables aussi au sein du comité exécutif. J'en profite également, tout comme vous, pour remercier l'ensemble des employés des équipes de la ville. Ça n'a pas été évident au cours des derniers mois. Ce n'est jamais évident à rendre un service public, même si parfois on prend ça un peu pour acquis. C'est juste que les gens s'attendent, ont de hauts standards, avec raison, parce que c'est une partie de leur argent que nous administrons. Alors, mais je veux assurer le public que nous avons quand même des employés qui ont donné leur maximum tout au long de cette dernière année et qu'ils le donnent en tout temps. Je veux remercier également les équipes techniques qui ont rendu possible cette étude en format virtuel cette année. Ce sont des gens de l'ombre, mais si ils ne sont ou elles ne sont pas là, très difficile de pouvoir communiquer avec le public. Donc, je les remercie particulièrement parce qu'il n'y a pas eu non plus de grandes qui ont pris le temps de nous suivre, de nous transmettre leurs questions, leurs commentaires, y compris aujourd'hui pour le dépôt de nos recommandations. Et un merci tout particulier, très spécial, mais du fond du cœur, sincère, à nos secrétaires recherchistes qui nous ont accompagnés tout au long de l'étude et même précédemment, parce que c'est un travail de longue haleine. Donc, toute l'équipe du GREF, là, je veux pas toutes les nommer, mais c'est sûr que Mme Demers, qui était responsable, qui était avec nous dans les derniers jours, les dernières semaines, un merci spécial pour avoir tout préparé. C'est un travail colossal. Les gens ne s'en rendent pas compte, là, mais il y a énormément de travail de coordination pour que tout le monde arrive à présenter au moment voulu, avec les présentations voulues et de façon professionnelle. Je veux remercier aussi Mme Laforce, parce que Mme Laforce nous a accompagnés tout au long des dernières semaines de façon très assidue, travailler le soir, les fins de semaine. Les gens, ça non plus, ne savent pas, mais moi, je le dis parce qu'il faut le reconnaître. Puis c'est pas toujours facile d'arriver à livrer quand on a aussi ses propres enjeux personnels, familiaux, etc. Alors moi, je veux dire un merci spécial à toute l'équipe du GREF et à Mme Demers et Mme Laforce en particulier. Et je souhaite que nous puissions reprendre cet exercice démocratique dans les prochains mois. On se reverra certainement pour l'année prochaine là, pour faire l'évolution du suivi budgétaire puis la consultation pré-budgétaire. J'en profite en dernier lieu pour confirmer qu'un document regroupant les questions du public auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre au cours des séances des dernières semaines sera disponible aussi d'ici quelques jours sur la page dédiée à l'étude du budget sur le site des commissions permanentes. Pour ceux et celles qui nous ont écrit des questions, on s'était engagé à ce qu'il y ait une réponse, donc ce sera fait. Et je demande maintenant un proposeur et un secondeur pour la levée de la séance. Alors, M. Potanchi propose quelqu'un qui appuie. Je peux appuyer, M. le Président, Alain. M. Vaillancourt, merci beaucoup. Alors, je vous remercie d'avoir été des nôtres pour le public et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. J'en profite pour transmettre mes meilleurs vœux pour les fêtes qui s'en viennent, même si elles sont très particulières et même si nous vivons un contexte que nous connaissons tous, que nous n'avons pas besoin de rappeler, mais je souhaite quand même beaucoup de bonheur à tout le monde, au sein au moins de vos bulles et de vos familles réduites. Bonne fin de journée à tous. Merci de vous être joints à nous et au plaisir. Merci beaucoup.